Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la TV Plus Madagascar. Pour commencer, voici nos titres. Les premiers soins d'urgence sont désormais gratuits dans tous les hôpitaux, au niveau des chefs-lieux de région et bientôt dans les hôpitaux régionaux, a déclaré le président de la République, Anjadwin, ce jour au centre hospitalier de Suavnanjin. 100 infirmeries scolaires équipées seront installées au niveau de tous les établissements scolaires publics et privés à travers les 114 CISCO dans tout Madagascar d'ici 2023. Les artisans œuvrant dans la fabrication d'ouvrages métalliques tels que les fabricants de réchauds à charbon de bois ou de brouettes par exemple enregistrent d'énormes pertes actuellement d'après leurs plaintes. Et pour terminer, l'Afghanistan et ses voisins vont bénéficier d'un milliard d'euros d'aide européenne, va annoncer l'UE à Rome mardi. Les premiers soins d'urgence sont désormais gratuits dans tous les hôpitaux au niveau des chefs-lieux de région et bientôt dans les hôpitaux régionaux, a déclaré le président de la République, Anjadwin, ce jour au centre hospitalier de Suavnanjin. Cette prise en charge commencera au niveau du service d'urgence nouvellement réhabilité et inauguré de cet établissement hospitalier qui célèbre ses 130 ans d'existence cette année. Dans un futur proche, le centre hospitalier de Suavnanjin pourra effectuer l'opération à cœur ouvert. Une révolution dans le traitement des infarctus et des artères. Reportage de Ftiavana Doni, Yves Lassata. La vie est sacrée. La prise en charge urgente d'un malade ne souffre qu'une attente. Telle est l'affirmation du président de la République, Anjadwin, dans son projet de concrétisation de son Vélran numéro 5, l'accès à la santé pour tous. Il a voulu annoncer en primeur au service d'urgence du centre hospitalier de Suavnanjin la gratuité des premiers soins d'urgence. J'ai entendu les plaintes des patients, les malades qui n'ont pas de moyens financiers, qui doivent attendre l'arrivée des membres de leur famille pour payer leurs soins et qui sont obligés de prendre leur mal en patience avant d'être pris en charge. Une attente qui risquerait de leur coûter la vie, déclare le chef d'État. Nous allons donc prendre nos responsabilités en main. Tous les premiers soins d'urgence sont gratuits à partir de maintenant pour tout le monde sans exception. La décision sera appliquée dès aujourd'hui, ici même, au centre d'urgence de Suavnanjin, continue Anjadwin. Le directeur général du centre hospitalier de Suavnanjin, Sen Su, de rappeler que les premiers soins d'urgence englobent l'ensemble des médicaments d'urgence entre 1 heure à 2 heures après l'admission du patient à l'hôpital. Une trésorerie sera donc consacrée par l'État pour ses premiers soins d'urgence. L'avènement de la prise en charge gratuite dans les hôpitaux a déjà été initié dans les centres de santé où les malades de la COVID-19 avaient été admis. Les fonds seront envoyés dans tous les hôpitaux au niveau des chefs-lieux de région où les premiers soins d'urgence seront gratuits. La même décision sera très prochainement appliquée au niveau des hôpitaux régionaux, précise le numéro 1 du pays. Ce dernier exige un travail appliqué du personnel de santé, l'ouverture du service pour l'opération à cœur ouvert au centre hospitalier de Suavnanjin avec des spécialistes malagasy et la mise en place du centre de transplantation rénale dans d'autres établissements de santé font également partie des projets du président Radwin pour sauver les patients. Il a également promis le remplacement du scanner au centre hospitalier de Suavnanjin, hors d'usage actuellement. Le président de la République, Anjadwin, a inauguré ce jour le service d'urgence nouvellement réhabilité au cœur de la célébration du 130e anniversaire de l'établissement hospitalier de Suavnanjin. Une visite des lieux a été effectuée pour démontrer la sophistication et la modernisation entreprises dans la prise en charge des patients. Ani ireo marary rehetra izay miditrito ary ahazo ny fahasalamana ireo rehetra izay mivoaka eto ary ny zavatra ho atao ihany koa dia mirary soa ho anareo tomponandraikitra rehetra eto amin'ity hôpitaly militaira ity izay ny faniriana apetrantsika amin'ny fanapahana an'izao ruban izao. Sous
100 infirmeries scolaires équipées seront installées au niveau de tous les établissements scolaires publics et privés à travers les 114 CISCO dans tout Madagascar d'ici 2023. Les écoles publiques aux normes et les établissements scolaires situés dans les zones les plus reculées et ne disposant d'aucun centre médical de base, notamment ceux qui se trouvent en milieu rural, seront priorisés. Ce projet sera mis en œuvre grâce à la cotisation que les parents versent auprès de l'assurance scolaire des écoles publiques et privées, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé publique. Les élèves de l'école primaire publique Manara Pencha de Mahaman, dans la CISCO de Fenaransu, figurent parmi les premiers bénéficiaires du dit projet. Gina Suramanabuich, Alfidra Kutmanal. L'État malagasy, par le biais du ministère de l'Éducation nationale, avait initié un projet de construction d'infirmeries scolaires auprès des établissements scolaires sur tout le territoire national. Les bâtiments pour abriter l'infirmerie scolaire ont déjà été construits dans certaines écoles, mais il manque encore de personnel ainsi que d'équipements médicaux. Aujourd'hui, ce projet se réalise grâce à l'initiative Tsinsufa Salaman Antsekouli, une idée qui consiste à mettre en place une assurance santé auprès des établissements scolaires, et cela à travers la construction de dispensaires, des centres qui prendront en charge les enfants malades ou blessés pendant les heures de cours et qui assureront également le traitement des cas d'urgence relatifs aux incidents ou encore maladies survenant pendant les cours. La prise en charge est optionnelle et les parents d'élèves ont aussi le droit de choisir de consulter d'autres centres médicaux selon leurs besoins. Le personnel soignant établi dans ces centres seront aussi formés sur les premiers gestes à effectuer en cas d'urgence ou secourisme. L'objectif étant de contribuer à l'amélioration de la santé des enfants malagasy et d'alléger les dépenses liées à la santé dans le but de promouvoir l'apprentissage et s'assurer de la continuité des cours. Le projet priorisera d'abord les écoles primaires publiques Manara Pinch, ensuite les écoles situées dans des zones qui ne disposent pas encore de centres de santé de base, notamment ceux situés en milieu rural. D'après les prévisions, 20 écoles bénéficieront de ces infirmeries scolaires d'ici 2022, pouvant aller jusqu'à 100 d'ici 2023. Ce projet sera financé en grande partie avec les fonds propres de l'Office national de la prévention des accidents scolaires à Madagascar, ONA PASCOMA. À l'heure actuelle, 35 000 écoles publiques dans tout Madagascar sont membres de l'ONA PASCOMA, dont 5 200 000 élèves inscrits. Quant aux écoles privées, les parents d'élèves cotisent 200 arrières par an auprès de l'ONA PASCOMA, regroupant 500 000 élèves au total. Une part de contribution qui a largement facilité ce projet de mise en place d'infirmerie auprès des établissements issus des 114 CISCO à Madagascar. Ces infirmeries scolaires seront équipées de médicaments de premiers soins pour pallier tout accident en milieu scolaire. Le PP Mahamasna dans la CISCO de Fenaransu est ainsi le premier établissement avec dispensaire à être équipé et doté de personnel. Les artisans œuvrant dans la fabrication d'ouvrages métalliques tels que les fabricants de réchauds à charbon de bois ou de brouettes par exemple enregistrent d'énormes pertes actuellement. D'après leurs plaintes, le prix de leurs matières premières, notamment le fer, ne cesse d'augmenter alors que la valeur des produits finis reste inchangée. Le marché n'est pas fructueux, faute de clients. La ministre de l'Artisanat et des Métiers, Sophie Ratsirak, a effectué une visite sur les lieux ce jour pour partager des pistes de solutions. Fandesina Aina Manakassen, Eric Ranefson. Le prix du fer connaît une hausse exorbitante depuis un certain temps. Si auparavant, le kilo s'achetait à 1400 ariars, cela atteint les 3000 ariars actuellement. Les artisans œuvrant dans la construction d'objets métalliques se plaignent de cette hausse, eux qui sont contraints d'acheter continuellement cette matière première sans pouvoir se permettre d'augmenter le prix de commercialisation de leurs produits vu la reprise timide du marché. On a déjà tenté d'appliquer une hausse du prix de nos produits, mais la plupart des clients fuient aussitôt, se plaint cet artisan créateur.
Par conséquent, ces artisans ne font plus désormais que peu de bénéfices, comme par exemple le prix d'une brouette qui était de 70 000 ariars depuis des années reste inchangé jusqu'à ce jour. La ministre de l'Artisanat et des Métiers a ainsi effectué une descente aux 67 hectares en Tananarive sur les lieux de fabrication d'ouvrages métalliques, dont des brouettes, des arrosoirs ou encore des réchauds à charbon de bois ce 12 octobre 2021. Elle d'inciter les artisans encore situés dans le secteur informel d'intégrer des associations régulières afin de bénéficier d'aides financières et matérielles ainsi que de formation de la part de l'État, ce qui leur serait d'une grande utilité. Banderoles, bruit de casseroles ainsi que des coups de sifflet, l'ambiance était assourdissante ce jour devant le ministère des Travaux publics à Nouss, où une centaine d'entreprises réclamaient leur part de rémunération non payée par l'État depuis 2020, s'inscrivant dans le fonds routier. La valeur de ces impayés par l'État est estimée à 33 milliards d'ariages. Ils affirment ne pas cesser leur mouvement jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Reportage de Sibela Ranjimazav et Fetchanji Manzaj. Ils étaient des dizaines de personnes à venir manifester de bon matin devant le ministère des Travaux publics. Ils représentent une centaine d'entreprises et réclament le paiement de leur argent non payé par l'État depuis des mois. Les entreprises et les employés sont en pleine difficulté, nous confient quelques représentants. Eux d'expliquer que tous les travaux d'entretien des routes sont déjà achevés et que tout ce qui est stipulé dans les contrats ont été honorés. Ils ne s'expliquent pas pourquoi leurs rémunérations ne sont pas payées jusqu'à présent, la somme étant estimée à 33 milliards d'ariars. Des pourparlers ont déjà eu lieu avec le ministère de tutelle, mais en vain. Ces sociétés ont bien peur de ne plus pouvoir poursuivre l'exécution des autres travaux d'entretien ou de construction de routes si les arriérés ne sont pas réglés. Certains de ces manifestants sont des représentants des sociétés situées dans les périphéries. Ils annoncent le maintien de leurs manifestations jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Passons maintenant aux actualités internationales. L'Afghanistan et ses voisins vont bénéficier d'un milliard d'euros d'aide européenne, va annoncer l'UE à Rome mardi. À long terme, le soutien des 27 sera toutefois conditionné au respect de critères fixés par l'exécutif bruxellois, au titre desquels la protection des droits humains fondamentaux. France 24. Selon les informations que nous avons à Amnesty International, la situation au niveau des droits économiques est très très importante. Il y a des millions de personnes qui font face à des situations proches de grande pauvreté, dirons-nous, au niveau de l'accès à la nourriture, de l'accès au logement, de l'accès au chauffage qui va s'imposer d'ici très peu de temps, l'accès à l'aide médicale. Donc nous parlons ici de milliers et de millions de personnes qui sont en état, qui ont besoin de voir leurs droits économiques respectés dans le cadre d'un programme humanitaire. La situation était grave avant que le Taliban prenne le pouvoir. Elle est encore plus grave à l'heure actuelle en raison des pratiques du Taliban. Là, la question la plus importante, comment faire en sorte que cette aide soit distribuée de façon non discriminatoire et qu'elle arrive aux personnes qui en ont le plus besoin? Écoutez, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier exemple de situations difficiles auxquelles les organisations humanitaires doivent faire face. Il n'y a aucun doute qu'elles ont les outils pour mener à bien leurs tâches. Moi, j'ai tout à fait confiance dans les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires qui mettront en œuvre les principes humanitaires. La question est de savoir si elles pourront le faire dans le cadre de cet accord du G20. Donc, il est très important que le G20 insiste sur le fait que ces acteurs humanitaires puissent exercer et donner cette aide humanitaire dans le respect des principes humanitaires. Mais au niveau pratique, si c'est la question que vous me posez, les acteurs humanitaires ont des années d'expérience pour le faire.
Avant de clôturer définitivement cette édition, sachez que nous aurons dans l'édition en version malgache de 19h30 un invité maison en la personne du rédacteur en chef de TV Plus Madagascar, notre collègue Abraham Razaf, porteur d'une toute nouvelle émission sur TV Plus Madagascar. Rendez-vous à 19h30. Au revoir.